The Republic of Benin, a small West African country with a population of 10 million. It's one of the poorest countries in the world, surviving on cotton and re-exported goods. Each year, 150,000 tons of frozen chicken passes through the town of Cotonou. Cheap cuts from Brazil, the United States, and from Europe find themselves on these market stalls at knockdown prices. The import of these morgue chickens, as they're known in Benin, has grown by 2.5 times in 15 years. To the third of the population living below the poverty line, the low prices are a godsend. But for local farmers, it only means more competition. At his warehouse, Kenneth Adeho impatiently waits for his delivery. Several thousand frozen chickens, direct from French farms. Etienne, viens prendre ce carton là, tu attaches. Je suis en train de vérifier les poulets fumés, la date de péremption, la date de fabrication. C'est des produits de la Normandie, la société SNV. Date de péremption 9 décembre 2015. Kenneth is an importer and wholesaler. In Benin, he's a big name in frozen chicken. Thanks to his French connections, he has access to the biggest names of the French market. SMV, Remy Ramon, Ronsard, and others are all present among these boxes. But he only buys a certain kind of meat from these French poultry companies. En Afrique, on ne mange pas beaucoup de poulet. On mange des poules. C'est des poules de réforme qui sont un peu dures pour la dentition des Européens, alors que nous, on adore. Retired hens are egg-laying hens that are battery farmed for their eggs, then butchered after 18 months. Ça, c'est une poule que la population locale consomme. Vraiment. Voilà une autre poule française nourrie à la graine, dehors, qui est bien charnue et qui coûte un peu plus cher. Celle-là, elle a pondu, hein, elle a beaucoup pondu et elle a été amortie. Kenneth receives between 15 and 20 containers every month. Each one of these can contain up to 25,000 chickens. He doesn't pay much for these cheap cuts, €1.25 for each retired hen, resold for €2 in Cotonou. Business is good, but he's not boasting about it. Pour être honnête avec vous, je ne suis pas fier de vendre des produits congelés importés. Au moins aujourd'hui, si je commercialisais ne serait-ce que 10% de la production locale, vous voyez, j'aurais dit que mon pays aussi produit quelque chose. On ne produit rien. 100% de tout ce que je vends aujourd'hui à la population provient de l'extérieur. Je pense que j'ai été à l'école. L'État m'a donné une bourse pour aller à l'école et je viens vendre la production de lieu. C'est bien, je gagne peut-être de l'argent, mais je ne suis pas fier. Just like every morning, Mama Love has come to buy her frozen chicken from Kenneth Adeho. Wow, coco. Mama Love is a bondame, as they call female market traders in Cotonou. 30 years of experience have given her an expert eye. She'll now take a bike taxi across town. It's the most common form of transport in Cotonou. Her destination is Dantokpa, one of the biggest markets in West Africa, where she has a stand.
Dantokpa, chicken is king. It's the main source of meat for the majority of Beninese people. In Benin's big towns, imported frozen chicken is becoming a fixture. All Mama Love has to do is chop it up. There's no processing plant anywhere in Benin. At just under €1 a piece, that's half the price of local chicken. A huge difference when you consider that the minimum salary is equivalent to €60 a month. This poultry is low cost for a number of reasons. Subsidies on cereal crops in Europe, a cheap third world workforce, and above all, low quality. In France, for example, laying hens are considered too tough to be eaten. The cheap cuts found here aren't eaten in their countries of origin. After freezing, they're not suitable for the Beninese market, where cold storage is not guaranteed. Philomena Desiga is delighted by the variety of her poultry, which she keeps in her repurposed freezers. However, the chicken has been defrosting during its delivery by bike taxi. After that, the chicken is at risk of defrosting again due to the country's frequent power cuts. But that doesn't seem to worry this reseller. Defrosted, refrozen, and exposed to sunlight, this chicken risks being infected by all kinds of dangerous bacteria. In Benin, there's yet to be a national survey on the dangers of this meat. And in the markets, sanitation inspections rarely take place. Those that take place in Cotonou's port, the economic powerhouse of the country, are brief. Les services vétérinaires font des contrôles, mais à l'arrivée des poulets congelés. Les services vétérinaires sont en charge d'aller ouvrir le conteneur, de vérifier que la congélation s'est maintenue durant tout le transport du produit, notamment en vérifiant des diagrammes de température, etc., et de faire ce qu'on appelle une inspection macroscopique. Donc on regarde seulement le produit dans les emballages, dans les cartons, dans le conteneur. Et c'est seulement au cas où on soupçonnerait qu'il y a eu congélation et décongélation au niveau des produits que des prélèvements sont faits et sont envoyés au laboratoire. Mais s'il n'y a pas cette suspicion à l'arrivée, le produit est déclaré propre à la consommation et donc on libère donc le produit au niveau de l'importateur. Les contrôles, ça n'arrête là en réalité. However, this poultry of unknown quality and origin is flowing into the country. Sunday morning in Akasato, on the edge of Cotonou. People have risen early to get the best pieces. In this mini market owned by trader Kenneth Adaho, they are preparing for the arrival of customers. Le dimanche, c'est le week-end,
c'est un jour de repos pour les gens du village et puis c'est une occasion pour eux de venir se ravitailler pour le manger de la famille. Et puis, c'est la fête. Frozen chicken is now available in these dedicated stores. They've developed along with growing urbanization in the last 10 years. For customers, they're a guarantee of quality. In Benin, 150,000 tons of imported chicken are consumed each year. L'État a laissé se développer ces importations pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils ont des contraintes qui sont liées aux différents accords internationaux qu'ils ont signés. Donc, ils n'ont pas forcément les mains libres. D'autre part, il y a qu'il faut savoir qu'un pays comme le Bénin est un pays qui n'a pas forcément de ressources autres que les revenus tirés de la fiscalité ou de la douane. Donc, ces importations de poulet congelé, massifs de poulet congelé, représentent parfois jusqu'à 10, 10 milliards ou 15 milliards de francs CFA de revenus directs à l'État du Bénin. On peut parler de dumping en ce qui concerne donc ces importations massives de poulet congelé, parce que les prix en fait, de revient et de cession de ces poulets congelés sur le marché béninois est tellement faible par rapport au coût de production locale que la production locale ne peut pas concurrencer. On le remarque aujourd'hui, la production de poulet tiers au Bénin ne se développe pas. Every morning before sunrise, 27-year-old Gideon Kwato feeds his animals. The young agricultural engineer decided 3 years ago to begin intensively farming chickens for meat. Bon, aujourd'hui, étant donné qu'ils ont consommé les 6 kilos, comme nous, on veut maximiser l'évolution de la croissance, on peut essayer de leur servir 7 kilos pour voir s'ils vont finir. On the farm, Gideon is sure to feed his animals with local grain. He has 100 or so chicks and just as many chickens. It's a tiny operation when compared to multinationals in the global poultry industry. These chicks will rapidly become broiler chickens with a lot of meat on their bones. They fetch a better price, even if they're more costly for farmers to raise. And it's the sale of this chicken that's directly threatened by imported poultry. Les gens préfèrent acheter du poulet congelé plutôt que du poulet de chair. Parce que le poulet congelé, déjà à l'achat, c'est moins cher. Nous ne sommes pas de gros producteurs qui ont la possibilité, par exemple, d'aller acheter les matières premières en gros. Donc, ce qui fait que le kilo, par exemple, nous revient un peu plus cher par rapport à quelqu'un, par exemple, qui a la possibilité d'élever 1000 poulets chers et 500 poulets chers, ainsi de suite. Maintenant, il faut quand même mettre une petite marge bénéficiaire pour essayer de compenser nos tracasseries que nous subissons. Plusieurs fois, nous avons envisagé d'arrêter nos activités. Nous nous produisons localement. L'État béninois devait nous encourager pour pouvoir augmenter la production locale. After 4 years spent in lecture halls at university, Gideon barely scratches a living. He makes a paltry 54 euros a month. It's hardly enough to feed his family, and not nearly enough to expand his business or employ any staff. For 3 months, Paterne, an intern, has been assisting him on the farm. Gideon is making him something to eat. Là, je suis en train de faire une bouillie pour essayer d'occuper les intestins ce matin-ci avant de pouvoir faire le repas de midi. Voilà. Et quand on fait les abattages, étant donné que nous sommes un peu familiarisés à nos animaux, on a du mal à les consommer. Mais on s'occupe beaucoup plus des pattes de poulet. Ça, on en raffole. To become economically viable, Gideon has diversified his produce. On the farm, he also raises bicycle chickens, the most popular type in the country. But this isn't very profitable either. Tonight, once again,
Gideon will have to spend the night on his farm, far from his family. ...6 a.m. In the wheelbarrow are Gideon's best birds, which he has hand-picked. A supermarket has just made an order for 30 chickens. Step 1, cure the animals. Step 2, boil them in order to pluck them. It's a long process. Gideon has called on extra hands to assist him. He's closely involved in every stage. La manière dont nous déplumons nos poulets, c'est pour être plus proche de la présentation du poulet congelé. Pour plus ou moins essayer de tenir un peu dans la concurrence. Nous, nous considérons ça comme une concurrence déloyale. En ce sens que, du début jusqu'à la fin de la chaîne, nous nous échinons, on se bat, on est au four et au moulin. Et la plupart du temps, les jeunes qui se lancent dans cette activité, à des moments donnés, ils sont obligés de se retirer parce qu'ils produisent, ils n'arrivent pas à écouler, ils sont obligés d'abandonner le métier et d'aller se chercher ailleurs. There are only 550 poultry farms in Benin, and they receive little help from the state. They're also subject to very high lending rates, as the activity is considered high risk. To increase his sales, Gideon has enlisted the help of FIFA. FIFA lives in Cotonou, not on the farm, as his main role is finding clients. He has a motto: don't slash prices. Les gens viennent me voir et me disent que mais quand ils vont sur le marché, ils arrivent à trouver du poulet congelé à 1600 francs. Franchement, de faire un effort et tout. Je leur dis d'accord, mais écoute mon produit. En plus, moi, je ne vends pas du poulet congelé, je vends du poulet frais. C'est produit sur pied. Si tu veux, tu peux venir visiter la ferme. Et poulet congelé, tu ne sais même pas où ça a été fait. Tu ne sais même pas ce que ça a mangé. Tu ne sais même pas qu'est-ce que ça a suivi. Moi, je suis crédible, tu peux venir me voir. Tout et tout, donc c'est pas la même chose. Moi, je veux vendre. FIFA and Gideon have managed to win the loyalty of some customers, a few big hotels, some supermarkets, and a few wealthier individuals. But their business isn't taking off. Okay. The business partners often run into financial problems, and their difficulties have repercussions for the entire sector. The first to be affected are the suppliers of feed. Gideon is now on his way to see Vital Chibozo, his supplier. They met at university. This one? Yes. Bonjour Vital. Comment tu vas? Ça va, et toi? Ah, bien. Ok. Les animaux? Bon, les animaux, ça va. Ça va. Ça va. Les petits, ils sont en train de prendre du poids. Hein? Poultry feed makes up 60% of his production costs. A mix containing maize, and vitamins. This month, Gideon doesn't have the money to pay. He has a favor to ask his friend. Bon, tu vas me comprendre, je veux encore faire 100 kilos à crédit. J'espère que tu vas vite vendre et puis nous régler. Non, dès que je vais vendre, je vais te régler. Bon, généralement, mes petits problèmes sont dus aux clients. Parce que quand eux, ils ne commandent pas, moi, j'ai du mal à écouler mes produits pour... Moi, j'ai du mal à acheter les fruits de maïs. Didas, the majority of Vital's clients are poultry farmers. His livelihood is directly linked to theirs. Moi-même, je suis concurrencé directement par l'importation des produits. Parce que là, si l'éleveur ne produit plus, il ne vend plus, il ne va plus produire, moi, je ne vais plus vendre. Et là, si je ne vends plus, je ne veux plus acheter du maïs, non seulement ça agit directement sur moi, pour vendre qui fabrique l'aliment, et ça agit sur les cultivateurs, les pauvres cultivateurs qui produisent le maïs, et ceux qui produisent le soja également. En résultat, on a tout un problème. C'est une chaîne qui sera mise en danger. Vital was able to start his business with the help of his father and a small budget of 750 euros. He has put all of his savings and all of his energy into the project. Toutes mes peines, je l'ai eu avec l'élevage. Toutes mes joies, je l'ai eu avec l'élevage. La belle preuve, tout ce que j'ai eu de bien ici actuellement, c'est l'élevage qui me l'a acheté. Et toutes les déceptions que j'ai eues, très importantes, c'est dans l'élevage que je l'ai eu aussi. Donc. Et je n'ai pas le choix, je ne peux que continuer parce que je n'ai pas d'autre porte de sortie. Même si je l'ai, je ne serai pas passionné. Parce que j'ai fait de ça ma passion.
C'est ça ma priorité, c'est ma passion. Je ne vis que pour ça. It's not just one struggling sector, but the whole youth of the country. 30 kilometers away is Porto Novo, Benin's administrative capital. Damal El Maboub was forced to give up on raising chickens. It wasn't working. Now he sells plumbing and electricity supplies. The former farmer is angry with the government that pushes thousands of young people like him into a sector with no future. Quand moi j'étais en formation, on prenait autour de 40-41 élèves. Et en son temps, il n'y avait que deux lycées agricoles au Bénin. Actuellement, il y a près d'une dizaine de lycées agricoles au Bénin. Par promotion, c'est généralement autour de 200 élèves, même plus. Donc, de plus en plus, beaucoup de jeunes formés dans les lycées agricoles sortent. Il n'y a pas d'emploi, ils sont prêts à s'installer. Mais quelle activité il faut faire? Ce poulet de chair, on ne peut pas le faire. Parce que quand tu le fais, il y a les poulets congelés importés des pays occidentaux qui sont vendus vraiment moins cher, qui pénalisent ça, quoi. As a young Beninese farmer with limited means, poultry might seem like the easiest source of income. Ce poulet de chair n'est pas très difficile à produire et très demandé. Et normalement, la jeunesse qui est là sans emploi, si vraiment cette jeunesse pouvait se l'offrir, le produit et le vendre facilement, et ça va diminuer le taux de chômage. Donc, en réalité, l'importation de poulet congelé, ça tue la jeunesse, quoi. C'est pour ça, c'est d'ailleurs pour ça que la plupart des jeunes vont envahir les pays occidentaux, quoi, parce que il n'y a pas de travail sur place. In Benin, the unemployment and underemployment of young people could be as high as 70%. The state has put all their faith in the cotton sector and in imports that ensure them a steady return, thanks to customs taxes. The brand new agriculture minister isn't on board with these choices. Bon, au Bénin, on en est où? On en est nulle part. L'importation de poulet freine l'agriculture locale. Donc il y a plein de possibilités que nous ne développons pas. Et c'est parce que l'importation existe. S'il n'y avait pas l'importation, tout de suite, le niveau de production au niveau de nos contrées, ça va augmenter. Et on va satisfaire nos besoins. Mais aujourd'hui, on est tous tranquilles parce que vous êtes là, peut-être même moins cher, vous avez ce qui vient de l'extérieur. Donc personne ne va se déranger ni se casser la tête pour aller vers l'augmentation de production qui demande bien entendu aussi d'autres efforts. Les taxes, effectivement, l'État peut en percevoir au moment où il y a de l'importation et l'État en perçoit d'ailleurs. Si on fait de vrais calculs économiques, lorsqu'on va arrêter l'importation de la volaille au niveau du Bénin, et je crois qu'on gagnerait plus que de dire que nous allons continuer à percevoir des taxes. Et moi, je crois, c'est qu'un beau matin, il faut refuser l'importation dans ce pays. For the moment, there's no sign of a change in direction. In the meantime, a collective of poultry farmers is mobilizing to put in place a local solution, a new breed of fowl, the Zadu chicken. Many of these poor rural farmers live hand to mouth, forming part of the informal subsistence economy. Some only make the equivalent of 30 euros a month. The Zadu chicken might just be the answer to the poultry farmers' prayers. It's said to combine the tastiness of the bicycle chicken with the fleshiness of imported and broiler chicken. Amoni
Nous vivons dans le monde, mais A good plan. Although for now, the price of the Zadu chicken cannot compete with imported meat. Only measures imposed by the state, such as a ban or a cap on imports, seems capable of giving poultry farming a boost. Pour ce qui est de l'interdiction ou de la limitation des importations de volailles congelées, il y a la formule que le Sénégal a utilisée, celle donc de s'adresser à l'OMC pour pouvoir donc augmenter les droits de douane sur les produits afin que ces produits-là coûtent aient le même coût de revient que la production locale afin de ne pas la concurrencer. Et cela a permis aujourd'hui de doubler en 10 ans, parce que cette interdiction avait été faite en 2005, en 10 ans la production d'œufs et la production donc de poulet chair au Sénégal, avec évidemment toutes les bonnes choses qui vont avec, donc la création d'emplois, le développement agricole et évidemment le développement économique du pays. But for Gideon, patience is a virtue. It's been 2 weeks since the young farmer was last home. He's reunited with his three-year-old twins, Fleury and Florida, and his wife, Hermione. The family lives in Kalavi, a suburb bordering Cotonou, where the rent is cheaper. Their modest home is composed of a single room with a corrugated iron roof. J'espère que vous avez été sage au cours de la semaine avec maman. Hein? Living here has its fair share of challenges, but Hermione is hopeful. De famille, qu'est-ce qu'elle va espérer le meilleur? C'est très dur des fois, quoi, en matière d'argent. Donc, on arrive difficilement à joindre les deux. However, like Gideon, she places her faith in poultry farming. Mes enfants, je veux bien qu'ils deviennent agriculteurs. Parce que bon, c'est un métier d'avenir. Si on fait la formation, plus tard, avec les idées que nous avons, nous pensons créer une grosse entreprise de production de poulet de chair. Donc, il faut alors un enfant qui puisse prendre après la relève quand moi je n'aurai plus peut-être des forces pour et continuer. Faut pas pleurer, hein? On doit acheter des bonbons yaourt. Hein? Hein? C'est bon. C'est tout à l'heure. Almost half of the Beninese people are under the age of 15. How will this population feed itself in the future? What model will the young people, with dreams of enterprise, turn to next? Will they have to invent a new way forward for the development of their country?